Salut les amis, bienvenue dans Stay at Home Kitchen. Pour cet épisode 22, on continue notre voyage en Italie. Toujours dans la Dolce Vita, enfin pas cette Vita-là, direction Parme, ville historique et gastronomique, rendue célèbre grâce à son parmesan et son jambon. On ira préparer des fleurs de Parme avec la chef Maria Amalia Aneda. On fera également une spécialité de la mama, una torta, c'est un gâteau courgette-citron. Mais avant, faisons une halte dans un caseifico. C'est une fabrique de parmesan. Le Parmigiano Reggiano est une AOP qui a un cahier des charges très précis. Son nom provient de la race des vaches Reggiana, dont on utilise le lait pour le fabriquer. Retour à Parme, dans la banlieue de Sala Banganza, où on va préparer des fleurs de Parme avec la chef Maria Amalia Aneda. C'est parti pour la recette. En dessert, je vous propose une spécialité de la mama, una torta, c'est un gâteau courgette-citron. Ainsi s'achève ce deuxième volet de mon voyage culinaire à Parme. À très vite pour de nouvelles recettes. Abonne-toi !